De minuit, nous avons dépêché les sapeurs-pompiers sur le terrain et demandé également que les forces de l'ordre fassent une ceinture de sécurité autour de cet incendie. Nous voulons véritablement croire que la cause est à déterminer avec les enquêtes qui seront menées. Mais déjà, certains indices nous permettent de comprendre qu'un ventilateur aurait été oublié dans une des boutiques. Tout ce que nous sommes arrivés à cet endroit tout à l'heure, et certainement ayant chauffé assez longuement, a déclenché ainsi la flamme. Par ailleurs, nous tenons à dire que les mesures de sécurité en matière de lutte contre l'incendie doivent toujours être respectées. Vous convenez avec moi que les sapeurs-pompiers ont eu du mal à pouvoir atteindre le foyer en question parce que ces étages qui sont derrière vous, vous pouvez les filmer, ils sont encore là. Filmez-les, je vous en prie. On va filmer, monsieur gouverneur. Voilà. Donc ces étages empêchent la progression des sapeurs-pompiers pour pouvoir faire leur travail convenablement. Mais je voudrais déjà exprimer toute ma proximité aux commerçants qui ont été victimes de cet incendie. Le sous-préfet de la localité de Douala Deuxième, n'est-ce pas, et une équipe vont pouvoir faire un recensement des boutiques qui ont été touchées. On parle d'une trentaine. Et bon, nous voulons dire que ce n'est pas tout le marché central qui a brûlé. Mais nous regrettons que ce qui a été fait soit dans une estimation sérieuse, des pertes sérieuses. Et je prie, n'est-ce pas, les commerçants ainsi victimes à ne pas baisser les bras. Nous allons ainsi transmettre cette situation à la haute hiérarchie pour un examen bien de là. Non, mais d'un an, voilà. Voilà.